Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, on lit Dr. Seuss. Poisson 1, poisson 2, poisson rouge, poisson bleu! Oh, regarde, 2 et bleu rime, Poisson 1, poisson 2, poisson rouge, poisson bleu! Poisson noir! Poisson bleu, poisson âgé, poisson bébé. Celui-ci a un joli dessin. Celui-là a un joli engin. Dis donc des poissons, il y en a plein. Oui, certains sont rouges, d'autres sont bleus. Certains sont jaunes, d'autres sont vieux. Certains sont malheureux, d'autres sont joyeux. Et d'autres très, très hargneux. Pourquoi sont-ils vieux, joyeux, hargneux? Je ne sais pas. Demande à ton papa. Certains sont minces, d'autres sont gros. Celui qui est gros a un bon chapeau. Par ici et par là et par ici, il y a des choses bizarres et étonnantes à voir. En voici qui aime courir. Il court par plaisir. Il court quand il fait chaud, quand le soleil est haut. Oh là là, oh là là, on n'arrête pas de voir des choses bizarres. Est-ce que tu aimes Dr. Seuss? J'aime Dr. Seuss beaucoup. Certains ont deux pieds, d'autres ont quatre. Certains ont six pieds, d'autres ont 1000 pattes. Oui, ça c'est beaucoup. D'où viennent-ils? Je n'en sais pas, mais je parle qu'ils viennent de loin. Ça c'est loin, oui. Nous les voyons venir, nous les voyons partir. Certains vont rapidement, d'autres vont lentement. Certains vont en volant. D'autres vont en rampant. Ils sont tous différents. Tu veux savoir pourquoi? Demande à ta maman. Dis donc, regarde les doigts de celui-là. Un, deux, trois, combien de doigts est-ce que je vois? Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Il en a 11. 11, ça c'est bizarre. Oh, c'est très original, ça. J'aimerais bien avoir 11 doigts, moi. Alors, regarde ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ça, c'est un peu bizarre. Cataclop, cataclop, cataclop. Êtes-vous déjà monté sur une blosse? Nous avons une blosse qui n'a qu'une seule bosse. Mais nous connaissons quelqu'un qui s'appelle Monsieur Blop. Monsieur Blop a une blosse à 7 bosses. Alors, si tu veux faire cataclop, cataclop, grimpe sur les bosses de blosse de Monsieur Blop. Oui, 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 regarde ici. Qui suis-je? Je m'appelle Willy. Je n'aime pas mon petit lit. Ça ne va pas. Pas bien du tout. Mes pieds dépassent du lit au bout. Et quand je les rentre dedans, oh misère, ma tête sort aussitôt par derrière. Regarde ses jambes. Et regarde sa tête. Notre vélo est super, il a 3 places. Notre Robert s'assoit derrière. C'est cocasse. Notre Robert est super. Voici pourquoi Robert pousse derrière quand ce ne va pas. Bonjour Willy, comment vas-tu? Dis-moi mon ami, comment vas-tu dans son petit lit? Dis-le-moi, je t'en prie, vas-tu bien? Réponds-moi, cher Willy. Je n'aime pas de tout ce lit. Mon lit est rempli de toutes sortes d'animaux. Un chien, un chat, une souris, un veau. Ce n'est plus un lit, c'est un zoo. Regarde tous les animaux là. Oh là là, oh là là, je n'entends pas. Veux-tu bien venir près de moi? Regarde dans mes oreilles, là. Il y a quelque chose dedans, je crois.
Mais oui, tu avais une cornée dans son oreille. Dans l'oreille, je me suis dit. Mais puis, elle est sortie sans cornée. Ton oreille entend à merveille. Aïe, 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 ça, c'est beaucoup de mots qui riment. Mon chapeau est rabougri, mais dans son jaunis. Mon oiseau me réjouit. C'est pour moi une amie. Ma chaussure est partie, mon pied s'est refroidi. Ma chaussure est partie, mon pied s'est refroidi. Mon oiseau me réjouit. C'est pour moi une amie. Mon chapeau est rabougri, mais dans son jaunis. Mon histoire est finie. Hey, il y a beaucoup de pages dans ce livre ici. Nous n'avons regardé, nous avons vu un jouet. Devant mon nez, il y avait un crochet. Sur le crochet, il y avait un livret. Le livret s'appelait « Savoir cuisiner ». Il s'est installé pour cuisiner. Il a regardé le livre devant son nez. Mais un jouet ne sait pas lire, alors un jouet ne peut pas rien cuire. Alors, à quoi bon accrocher un livret devant son nez pour cuisiner? Il faisait nuit pourtant. Nous avons vu des moutons blancs. Nous avons vu des moutons blancs aller se promener en dormant. Ils ont marché, marché, marché les yeux fermés. Ils ont marché toute la nuit. Ils sont partis très loin d'ici. Moi, je ne marcherai pas. J'irai en voiture. Pas toi? Celui-là, il me casse les pieds. Tout ce qu'il fait, c'est crier, crier, crier. Je préfère l'éviter. Et quand il vient chez moi, il les met dehors ma foi. Celui-ci ne fait plus pas, ne fait pas plus de bruit qu'une petite série, lui, je l'apprécie. Chez nous, on ouvre des canettes, encore des canettes. C'est pourquoi nous avons un biquette. Un biquette est parfait pour les canettes. Avez-vous une biquette pour vos canettes? Non? C'est trop bête. J'aime la boxe. Ah, comme j'aime la boxe. Alors, chaque jour, je boxe une gox. Je boxe mon gox fort comme une roque. Je boxe mon gox et paf et toc. C'est drôle de chanter avec un soin. Mon soin aime chanter avec moi dans le bain. Je chante très haut, mon soin chante très bas et ça fait un joli résultat, ma foi. Celui-ci s'appelle Nios, je suppose. Il a une drôle de coiffeur. Il boit une drôle de mixture. Il aime boire, boire du matin au soir. Il ne boit qu'une seule chose, de l'encre rose. Il boit de l'encre rose, c'est grandiose. Il boit de grosses doses d'encre rose grandiose. Alors, si vous avez le tronc d'encre rose, vous devrez avoir un nose, je suppose. Alors, il y a beaucoup de choses, mais je pense que je vais finir ce livre ici. Et maintenant, bonne nuit. C'est l'heure de dormir. Alors, on va dormir avec notre Zemir. C'est fini pour aujourd'hui. C'était chouette. On a bien ri. Demain, on recommencera. Car ici ou là, du matin au soir, il y a des choses bizarres à voir. Au revoir, mes amis.